Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de découverte de WWE 2K24. On va se pencher sur le cas du mode univers cette année qui a effectivement quelques nouveautés, notamment du côté des actions de rivalité. On va voir ça ensemble en commençant une nouvelle sauvegarde, un peu comme on a fait avec le mode Mon MG. On lance une partie et puis on voit ce qui se passe. On peut évidemment jouer avec le mode Superstar. On va regarder ça peut-être... On va peut-être commencer par le mode le plus répandu, je pense, le plus joué, le mode classique. Bon, pas de gros changements au niveau des écrans, on a toujours accès au show de la soirée ici avec les mêmes boutons aux mêmes endroits, le récapitulatif des matchs de la soirée ici, qu'on peut modifier en accédant à cet écran ici, pour par exemple modifier des actions de rivalité. Il y a des choses qui vont être assez intéressantes, surtout pour des personnes qui veulent personnaliser à fond leur mode univers. Alors, est-ce qu'on a de nouvelles actions de match? Il me semble que oui. D'ailleurs, on a pas mal d'actions de match qui sont faisables uniquement par Undertaker. Privilégié, le type. Embuscade d'Undertaker, tout simplement. Embuscade monstrueuse, ça, il me semble que c'était pas disponible dans 2K23, à moins que certaines actions étaient invisibles quand les critères n'étaient pas remplis. Là, on a aussi accès aux actions qu'on ne peut pas déclencher parce qu'on n'a pas rempli les conditions. Choke slam en cours de match, seul Undertaker peut faire ça. Donc privilégié bien sûr, on a des actions avec des champions. Donc attaque, embuscade, manque de respect. Je crois qu'on a à peu près les mêmes catégories. Aucune action disponible ici, c'est dommage. Ah oui, bon, on va prendre le mode libre pour voir un petit peu à quoi on pourrait avoir accès. Donc bagarre, Rexo Borduring après match. Donc c'est après le match du rival, mais contre quelqu'un d'autre, et ça c'est nouveau. On va pouvoir choisir la superstar qui jouera un rôle secondaire dans la rivalité. Bien sûr, on ne peut pas changer le rival qui va affronter une autre superstar, mais on peut tout à fait changer de superstar ici. On choisit qui va jouer le rôle secondaire dans l'action de match qu'on a sélectionné, et ça c'était fait automatiquement par le jeu. Dans WWE 2K23, c'est donc un gros atout pour les personnes qui veulent tout personnaliser à fond. Et donc ça permet évidemment de régler les petits problèmes d'incohérence quand on voit des superstars intervenir de façon un peu bizarre, genre c'est une superstar qui a une équipe ou qui a déjà une autre rivalité qui va apparaître à ce moment-là, je ne sais pas. Enfin souvent c'était une superstar qui n'avait pas de match ailleurs dans la soirée qui était choisie. C'était pas forcément tout le temps le cas, je suis pas sûr à 100%. Mais ça c'est un gros atout pour le mode univers de 2K24. Donc sinon, diversion, travail d'équipe, fair play, dispute, coup bas, trahison, confrontation, cash-in. Je crois qu'on a pas mal de catégories qui reviennent. Avertissement d'Undertaker, encore lui, trahison, bien sûr. On va peut-être passer en mode normal. Est-ce qu'on peut avoir une embuscade sur Gunther pendant son match ou après son match, mais contre quelqu'un d'autre? Non. C'est parce que la rivalité vient de commencer, donc c'est normal. Manque de respect, peut-être. Manque de respect. Partenaire d'équipe pompeux. On peut peut-être inverser les deux ici, non? Non, ok. Enfin, je pense qu'il y a peut-être des cas pour les rivalités en équipe, si on fait des matchs en 1 contre 1. Par contre, il y a peut-être moyen d'inverser de choisir la superstar de l'équipe qui va représenter justement l'équipe pendant le 1 contre 1, parce qu'on peut aussi faire des matchs 1 contre 1 pendant la rivalité. Bon, ça aura peut-être pas trop de sens, mais on va laisser ce match imposé par surprise. Et puis on va dire que, je sais pas, c'est Ricochet qui va affronter Gunther. Donc là, on sauvegarde, action contestée, donc ça c'est résolu. Avant même de lancer le show, on aura l'action de Bronson Reed qui sera déclenchée. Et donc on va regarder ça, on va lancer le show bien sûr. Et avant le match, on a un récapitulatif de la rivalité et de l'action qui a été choisie. Donc on va contrôler Gunther pour ce match bien sûr. Super Avalanche Powerbomb, waouh! C'est vrai qu'il y a les super finishers qui consomment 3 stocks de finishers, et grosse nouveauté aussi au niveau du gameplay, on peut avoir jusqu'à 5 coups spéciaux et 5 finishers, avec bien sûr les super finishers qui sont disponibles. Ça c'est assez sympa, donc ça en a vraiment beaucoup de prises qui nous plaisent si on hésite entre plusieurs. On n'est pas limité à 2 cette année, donc ça c'est plutôt pas mal, ça offre tellement de possibilités. Oh, même dans le menu pause, on nous rappelle l'action de rivalité qui est en cours. Ça, c'est cool. Cinématique en cours de match. Oh!
et même la condition. Oh, mais c'est marrant, ça ressemble quand même beaucoup au mode scénario à ce niveau-là. Et c'est bien parce que, effectivement, on s'en rapproche avec la possibilité vraiment de choisir quelle superstar est dans le match en cours, quelle superstar va participer à la cinématique, à ce chapitre de la rivalité. Donc, par exemple, pour moi, bien sûr, puisque le mode univers, c'est un mode que j'ai quand même pas mal utilisé dans 2K23, mais justement, le fait qu'on ne puisse pas choisir les rôles secondaires pour les actions de rivalité, c'était un peu limitant. Donc, j'utilisais pas forcément tout le temps les actions de rivalité. Et ça m'arrivait assez souvent de les utiliser, mais avec le mode libre, pour avoir un petit peu plus de possibilités, c'était assez rigolo. Puisque je le rappelle, hein, bien sûr, on a fait un mode mon MG, enfin, pardon, un mode, petit lapsus, un mode univers façon MG, où j'étais le MG de tous les shows de la WWE, enfin, Raw et SmackDown plus exactement, donc pas forcément tous. Et bien sûr, on refera ça dans 2K24. Hein. Donc avec les nouvelles possibilités offertes par la mécanique des actions de rivalité qui a donc évolué, il y a moyen de faire des trucs très sympas. Est-ce qu'on va gagner ce match et déclencher l'arrivée? Bah du coup, non, faut qu'on subisse des dégâts. Bah vas-y, Ricochet. Vas-y. C'est vrai que j'ai même pas lu la description de l'action. En plein match, il semblerait que Gunther soit en train d'abandonner, à mince, à la grande surprise du public et de son adversaire. Mais Bronson Reed compte bien l'obliger à continuer le match, en l'interceptant sur la rampe et en ramenant son adversaire sur le ring de façon assez humiliante. Allez, vas-y. Du coup, désolé, Ricochet, j'ai pas lu le script. Oh, échange de coups. L'échange de coups vous enferme dans un duel d'attaque contre votre adversaire. Pour effectuer une frappe, maintenez carré, puis relâchez lorsque la jauge est dans la zone verte. Si vous ratez votre coup, l'attaque sera contrée. Si vous ratez trois fois, vous perdez. D'accord. À quel moment je peux relancer? Parce que... les messages, je sais pas quand ça se termine. La zone dorée apparaît lorsque le mini-jeu s'intensifie. S'arrêter à l'intérieur de cette zone vous permettra de le remporter instantanément, de gagner une récompense et étourdira votre adversaire. Orienter le stick gauche vers le haut, la droite, le bas ou la gauche détermine l'attaque que vous allez effectuer. Vous pouvez également appuyer sur flèche de gauche ou flèche de droite pour provoquer l'adversaire et faire monter la pression. Ok. Chaque superstar peut lancer l'échange de coups une fois par match en maintenant carré jusqu'à ce que la frappe réussisse. Il peut également se déclencher automatiquement à la suite d'un contre important ou d'un dégagement de tombée. L'échange de coups ne peut survenir que lors de matchs en 1 contre 1. Ok, je maintiens. Oups, je me suis raté. Dommage. Allez. Oups. Est-ce que je peux le provoquer pendant? Ah bah j'ai passé mon tour, c'est génial. Allez, la zone dorée. On vise la zone dorée maintenant. Oh c'est bon. Il est étourdi, incroyable. Bah non, fallait que tu gagnes en fait. Bon, désolé. C'est bon, on déclenche la cinématique, caméra un peu bizarre. Oui, c'est vrai qu'on a les sous-titres des commentateurs que je n'ai pas désactivés. Par contre, j'ai désactivé l'audio. Donc on voit Gunther, effectivement, qui va essayer d'abandonner le match. Bon, ça, c'est une cinématique qui existe depuis un petit moment, il me semble. Et donc, aux surprises, on devrait voir Bronson Reed qui va ramener Gunther dans le ring afin qu'il continue le match. Et donc, oui... Attends, en fait, mais c'est, oui, je peux en obtenir un deuxième finisher, c'est vrai. Et avec la rage, je peux en obtenir un troisième. Et je me dégage tout seul, comme un grand. Allez, on essaie de tenir avec un super finisher. Et oui, la rage, c'est l'un de ces nouveaux paybacks qui permet d'atteindre le palier de finisher suivant. Oh, dommage. Eh oui, tout ça pour ça, c'est du gâchis, hein, mon cher Ricochet. Allez. Ouh. Ah bah oui, mais du coup, j'ai plus de spécial pour ma... ah, c'est dommage. Faut que je remplisse ma jauge de spécial pour avoir la rage. On va tenter les trois powerbombs. Allez, on active la rage.
3 finishers. Ce serait bien que je l'étourdisse avec un petit duel. Un échange de coups. Oh. Bah j'ai raté. À quel moment on peut faire une provoque exactement? J'avoue, je ne sais pas. Ah oui, c'est là que j'ai fait une provoque, d'accord, pardon. Je n'avais pas vu. Ah, il s'est raté, quel dommage. Allez. Super finisher. Comment j'active le super finisher? Attendez, que je réfléchisse. Il faut qu'il soit au sol, peut-être. Oh, oh, attends. Avalanche Powerbomb. Elevated Boston Crab. Ok. Ok, dans le coin, dans le coin. De dos dans le coin. Ah, mince. Allez. On l'emmène. Et bien sûr, on lui dit au revoir, Ricochet. C'est bien, au passage, on utilise de nouvelles mécaniques de gameplay. Ouh, avec un petit effet supplémentaire. Et ça désactive, on a le petit symbole en bas à droite, ça désactive la révolte, le super finisher, en plus. Donc ça permet de vraiment de bien massacrer l'adversaire une bonne fois pour toutes. Donc on a vu l'échange de coups, un super finisher, parfait, avec une petite action de rivalité, mais bon, ça, on connaissait déjà. Et donc à la fin du match, on a le récap de la rivalité. Les deux acteurs de cette rivalité ont chacun 10 points de momentum, ça c'est l'action qui fait ça. On est toujours à 50-50, on a la note du match à droite avec les petits jetons qu'on a qui peuvent permettre de débloquer des choses dans la boutique du jeu. On a des conséquences à ce qui vient de se passer. Changement de relation, Bronson Reed et Gunther sont ennemis. On a des changements de traits de personnalité, ok. On a un effet appliqué à Bronson Reed, assurance, et l'attitude envers le public de Bronson Reed est maintenant soutien. Ok. En tout cas, la réaction du public envers Bronson Reed est maintenant soutien. Simuler des matchs, c'est un petit peu plus long, effectivement. Puisque là, je vais choisir un gagnant aléatoire, mais à chaque fois qu'on simule un match, on a cet écran de récap à la fin avec, bien sûr, les vainqueurs et le point sur la rivalité. Mais c'est assez détaillé, puis on a bien sûr un onglet nouvelle avec donc les nouvelles qui correspondent à ce qui s'est passé lors du match. Et donc ça c'est pour chaque rivalité, mais même pour les matchs où il n'y a pas de rivalité, on a ce petit écran qui vient s'ajouter pour nous montrer les résultats du match. Donc c'est un peu long de faire tous les shows, même si bien sûr, bon, quand on joue, on peut très bien s'arranger pour ne pas avoir beaucoup de matchs, parce que là 9 ça fait quand même beaucoup. Si on veut simuler le reste du show, il faut qu'on aille jusqu'au dernier match et qu'on simule le dernier match. Bon, ça se fait, hein, mais c'est un peu dommage qu'on puisse pas, avec un simple bouton, tout faire et quitter le show dans la foulée. Est-ce qu'on a d'autres choses qui ont changé dans ces écrans-là? D'ailleurs, est-ce qu'on a des changements de division automatiques dans le mode univers? Parce que ça, c'est un petit défaut qui fait que laisser le jeu organiser tout seul les matchs et organiser les shows, c'est pas forcément toujours très... très intéressant au bout d'un moment, parce qu'on a peut-être envie de voir des superstars changer de division. Voir quelqu'un qui concourait pour le titre mondial se battre pour le titre intercontinental, et voir peut-être des gens qui étaient en équipe concourir pour des titres en solo. Ou l'inverse, bien sûr. Mais ça, je sais pas si c'est le cas. Est-ce que ça arrive automatiquement? Ça, je n'en sais rien. Peut-être dans les paramètres de l'univers. Les paramètres de l'univers, ça c'est un truc de dingue. Quelle phrase de fou. Gestion des titres, des superstars, des équipes, des rivalités, donc ça c'est comme l'année dernière. Style de jeu actuel, rivalité automatique, blablabla, il n'y a pas d'options supplémentaires ici, j'ai l'impression. Donc le mode univers a un peu évolué, mais c'est pas une grosse évolution. Il ressemble à quoi le calendrier? Backlash, Night of Champions, donc on a tous les PLE qui sont là. Avec bien sûr ceux d'NXT également, évidemment, donc on a le calendrier juste ici. Ok, ok, NXT Roadblock. Il y a un gros trou entre Elimination Chamber et WrestleMania, ok. Bah, qu'est-ce qu'on peut aller voir maintenant? Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour du mode univers classique. On peut aller jusqu'à la fin de la semaine, parce qu'il y a un PLE, il me semble, il y a Backlash. On va voir les actions de fin de rivalité. Oh, le main event carrément. Sympa. Sympa, sympa. Est-ce qu'on a les mêmes types de fin les mêmes types de conséquences de fin de rivalité? Bah là du coup la rivalité est pas allée super loin, donc forcément on n'a pas forcément beaucoup d'options.
Bon, si je choisis le mode libre, donc on a grimpé dans les title rankings, donc pour grimper dans le classement de la division, faire chuter l'adversaire dans le classement en question, grimper dans les power rankings, donc dans le classement général de la WWE pour avoir des bonus sur toutes les stats, faire dégringoler l'adversaire, qui perd part, donc ça c'est pareil que dans 2K23, infliger blessure, donc bien sûr les différents niveaux ont des coups différents aussi, prolonger rivalité, bon ce sont les mêmes conséquences de match de PLE que dans WWE 2K23. Donc là, l'essentiel, c'est qu'on sait qu'on a de nouvelles actions de match, probablement de nouvelles cinématiques, et bien sûr qu'on peut un petit peu plus personnaliser justement les actions de match avec la possibilité de choisir carrément les superstars dans d'autres rôles, s'il y en a, qui interviennent au cours des matchs entre les deux équipes ou superstars rivales. Ce qui serait encore plus cool, ce serait de pouvoir faire certaines actions pour plusieurs types de matchs, que ça fonctionne pour les matchs extrêmes, les matchs de l'échelle, les matchs de table. Comme ça, on pourrait peut-être faire des matchs un petit peu plus variés pour les rivalités. Pas que des matchs un contre un toutes les semaines jusqu'au PLE. Ça pourrait être intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, de toute façon, c'est un match de championnat, non? Qu'est-ce qu'on fait? Fin de rivalité, bah, on a qu'à... Bah, en fait, on n'a pas grand-chose. On peut pas finir la rivalité avec le mode normal. C'est ça qui est drôle. Donc, on est obligé de prolonger la rivalité et de demander à gagner des points de momentum. Donc on va demander à en gagner, ben, 30, je pense. Ah oui, ça c'est dommage. Avec les ressources qu'on a, on ne peut pas finir cette rivalité autrement qu'avec le mode libre. C'est normal, hein, parce qu'elle vient de commencer. Bon, je pense qu'on va pas jouer le match cette fois-ci, on va juste regarder le résultat. Et le vainqueur de ce match est... Bronson Reed, nouveau champion intercontinental. Rien de nouveau. Ok. Rien de particulier. Il n'y a même pas une petite news pour dire qu'on a un changement de titre. Bah si, pour Sami Zayn, bien sûr, mais c'est tout. Même pas pour Bronson le pauvre. Note au montage, ça peut paraître bête dit comme ça, mais en avançant dans le calendrier, aussi j'ai remarqué que la rivalité était bien toujours en cours. Et ça, c'est important par rapport à WWE 2K23, parce qu'il m'est beaucoup arrivé d'avoir des rivalités qui s'arrêtaient alors que j'avais demandé qu'elles continuent, ou même l'inverse, d'avoir des rivalités qui continuaient alors que j'avais demandé qu'elles s'arrêtent. Donc au moins, ça a l'air de bien fonctionner à ce niveau-là dans WWE 2K24. Autre chose assez importante, au moins les descriptions des actions de match sont pas buggées en fait, parce que dans 2K23, surtout en lancement de 2K23, il y avait parfois des noms qui étaient répétés deux fois, des descriptions qui ne voulaient absolument rien dire quand on regardait les rôles, et même parfois, certains rôles étaient inversés entre l'attaquant et l'attaqué dans certaines actions de match. Donc pour voir une superstar se faire attaquer, il fallait que ce soit elle qui décide qu'il y a une attaque. Et pour l'instant, je n'ai pas constaté ce genre de problème sur 2K24. Oh oui! Ouh! Ah, c'est drôle ce truc. Ah, ça, c'est beaucoup moins drôle. L'une des actions d'Undertaker... Bah, il est où ton chokeslam? Mais... Le chokeslam? On m'a menti, ce n'est pas un chokeslam. Bah, il manque une bonne partie de la cinématique, là. C'est pas un chokeslam qu'il vient de faire, là. Mais qu'est-ce que... Mais enfin! Le chokeslam? Est-ce que c'est gagné? Est-ce que c'est gagné? Malgré l'intervention d'Undertaker et son flatliner. C'est marrant ça. Ne me promettez pas un chokeslam s'il n'y a pas de chokeslam dans la cinématique. Enfin. Conquête, le combattant a battu les plus grands et les meilleurs, ce qui augmente ses attributs offensifs et défensifs de 3. Ah oui d'accord, comme ça. On a assez fait mumus comme ça, je pense. On va... Arrêtez avec cette découverte du mode classique et allez voir du côté du mode superstar pour voir si... si y a... Non, n'importe quoi. C'est dans les options, style de jeu, superstar. Pardon, il faut que je finisse le show d'abord, pardon. Donc disais-je mode superstar. Oui, mais j'ai fini les matchs. Qu'est-ce qu'il me dit encore, lui? Mais j'ai fini les matchs. Prochain show, peut-être? Allez, vas-y. Merci.
Donc oui, choisissons une superstar avec laquelle on va jouer un tout petit peu juste pour voir si on a un menu qui est différent. Parce qu'on avait un menu assez léger dans le mode superstar du mode univers de 2K23. Et à tout hasard, je vais... Oh, mais qui voilà, regardez. Regardez qui j'ai recréé en quelques heures. J'ai un peu galéré pour refaire le visage, j'en suis pas spécialement entièrement satisfait pour l'instant. Mais elle est là, Evie Jensen, bien sûr l'une des superstars que je vais recréer bien sûr dans 2K23. Elle a commencé à évoluer un petit peu, mais évidemment le travail n'est pas encore tout à fait terminé. Donc on va aller à tout hasard à SmackDown. Yay! Et c'est drôle parce que j'ai joué un petit peu à ce mode dans 2K23 très récemment, histoire de lui redonner une chance parce qu'on avait vu des choses quand on avait testé qui fonctionnaient pas forcément comme elles le devraient. Donc on a les infos de la superstar avec ses résultats de l'année, durée d'activité, division, ok, rivalité en cours, ceinture possédée, on a le bouton pour passer au match suivant, gestion de superstar pour... Ah, ça c'est intéressant, ils ont mis des boutons dans ce menu-là, c'était plus logique. Parce que pour demander des matchs, demander à commencer des rivalités, changer de show ou changer de titre pour lequel on aimerait concourir, ça se passait dans le menu options, c'était assez bizarre. C'était pour ouvrir le menu programmation. Donc là, le fait d'avoir mis ça ici, c'est beaucoup plus logique. On commence une rivalité, ça n'a pas changé. On peut terminer une rivalité, prématurément, j'imagine. Créer un match, donc on peut demander un type de match particulier. Match pour le titre. Choisissez cette option pour participer à un match pour le titre avec votre superstar, soit pour affronter une autre superstar et prendre son titre, soit pour défendre le titre de votre superstar contre un adversaire, ok. Mais est-ce qu'on va nous l'accorder à chaque fois, ça? Je suis pas sûr. Changer de show, ok, ça c'est logique. Créer une équipe, dissoudre une équipe, participer à un match Royal Rumble, WrestleMania ou utiliser la mallette Money in the Bank. Donc ça, ce sont des options qu'on avait dans le mode superstar du mode univers l'année dernière, mais elles sont placées quand même à un endroit plus logique, parce que c'était un peu bizarre d'aller tout à droite pour aller dans les options, puis d'aller dans le menu programmation. D'ailleurs, c'est drôle, les deux boutons ici ont la même image. Et après, j'imagine que là, c'est pareil, info de superstar. Donc c'est toujours là, ça n'a pas bougé. Modifier superstar. Bon, là, c'est le menu de modification d'une superstar dans le mode univers, avec donc différentes choses... Le classement, les finishers, l'attitude du public, le show, apparition dans les shows mineurs si on veut en créer, alliés, ennemis, manager, équipe et d'autres choses. Donc ça n'a pas changé. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grosses nouveautés dans les options. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Gérer la fréquence d'une superstar, ça ne veut rien dire. En gros, c'est la fréquence à laquelle le menu gestion de superstar va s'ouvrir. Oui, quelque part on peut comprendre. Mais en gros, ce menu va s'ouvrir automatiquement toutes les 4 semaines actuellement, puisque c'est le réglage actuel. On peut aussi désactiver l'option et aller dans ce menu quand on le souhaite pour demander quelque chose. Et donc, bien sûr, c'est ici, par exemple, qu'on pourra commencer une rivalité. On pourra choisir donc une rivale en face d'Evie Jensen, comme par exemple, je ne sais pas, Alba Fire. Et donc, à ce moment-là, boum, on a une rivalité et on va pouvoir commencer une rivalité. On est innovant parce que j'imagine qu'on a joué avec une superstar dans ce mode univers. Et on peut commencer le match, hein, si on le souhaite, faire une petite action de match pour se faire plaisir, bien sûr. Alors, début de rivalité moyenne, bien sûr, pour le moment. Action de rivalité avec Alba Fire. Ok, donc on devrait affronter Tamina si l'action d'Alba Fire est choisie aux dépens de l'action d'Evie. Et je crois que c'est le cas en fait, hein, donc on n'a pas le choix. Oui, ça a déjà été décidé en fait. Allez, coup spécial, qui est un peu buggé parce que le bras gauche d'Evie se met pas bien. Donc je vais probablement le changer, et bien sûr, on l'a fini avec... Oh non, l'ancien coup spécial de l'année dernière, qui est passé en finisher cette année. Ouh! Wouhou! Excellent. Bah tiens, tant qu'on y est, on va l'étourdir et la finir. Ah oui, c'est contré, c'est pour ça que c'était un peu de travers. Mais, pas de panique. Dommage. Tout va bien. J'ai un plan. On la frappe ici. Et c'est parti pour rien du tout.
Dommage, projection dans les cordes. Reviens. Hop là. Allez, on va essayer d'étourdir avec. Oh bah, elle a déjà raté son attaque. Ouh. Je pense qu'on a un gros avantage parce qu'on est... On est beaucoup plus en forme que Tamina. Oh oui. Incroyable. Allez. Ouh. Genou dans la face et on enchaîne. Oula, pourquoi l'arbitre était flou? Quelle est donc cette diablerie? Non mais de comment ça Tamina se dégage? Avec le minimum de vitalité là. Oh. On va se calmer peut-être? Et respecter un petit peu son adversaire, le finisher de son adversaire, plus exactement. Merci. Et 1, et 2, et 3. Ça arrive assez souvent sur PS4, je trouve, le fait qu'on ait des personnages qui a un flou de mouvement, c'est un peu bizarre. Pardon, un flou de mouvement, pas un fou de mouvement. Par contre, ça va peut-être devenir un peu plus fou entre Alba Fire et Evie Jensen, mais pas maintenant. Pour l'instant, la rivalité n'en est qu'à ses débuts. Donc pour commencer, une simple bataille de regard, et c'est tout. Voilà, avantage pour Alba Fire, et bien sûr des points de momentum. Et donc là c'est pareil, on a le récap de la rivalité, des points de momentum qu'on a, de l'intensité de la rivalité, avec bien sûr notre superstar qui a 85 de général, au lieu de 82 au départ. Et là du coup, ben c'est forcément l'action d'Alba Fire qui est choisie, tiens. Ok, diversion surprise en bord de ring, ah c'est terrible. Ceci va donc conclure notre découverte du mode univers de WW2K24. Pas beaucoup de grosses nouveautés. Dans l'ensemble, le mode est quasiment le même. Bien sûr, on a des actions de rivalité supplémentaires, avec bien sûr, comme je l'ai dit, des options de personnalisation supplémentaires. Petite critique par rapport quand même au système d'action de rivalité. C'est dommage qu'on n'ait pas d'options qui nous permettent de masquer les actions qu'on ne peut de toute façon pas sélectionner. Ça permettrait d'y voir un petit peu plus clair. Juste ça. Et le texte est écrit un peu petit parfois aussi, ça c'est une remarque que j'ai déjà faite dans le mode Mon MG. Beaucoup d'informations effectivement pour le mode univers aussi avec les actions de rivalité. Mais sinon bien sûr le gros plus c'est le fait de pouvoir choisir tous les acteurs dans une action de rivalité, y compris l'adversaire qu'on a ici maintenant avec Scarlett. Pour affronter Evie Jensen qui elle est une actrice principale de la rivalité avec Alba Fire. Donc on devrait pouvoir faire des choses assez chouettes avec ce mode univers. J'ai hâte de le lancer, et donc on va se quitter et se retrouver bientôt pour d'autres vidéos découvertes de WWE 2K24. Salut tout le monde, à la prochaine!